richesse extraordinaire et n'est pas transformée en conditions dans les villes, qui est le code uniforme de contrôle de la vie. Enchanté de vous voir. Bonjour. Comment ça va? Est-ce que vous êtes grave? Est-ce que vous êtes grave? Sa vision muta zwa ki vision wana tanga lali azu vision wana baye ko lakisaye eloko alali alamugina tongo tongo asaleli ide wana
ameki ko sala ngo boy tanga sala ngo ameki ngo et comment bimisa son alors biso beta ngo to monike no makaniso eza makanisi moko ya bien to koki ko ko landela ngo yango monike lelo to komi na groupe ya monene et komi na niveau oy. Hein, ce qu'il a dit, c'est les dirigeants de la fanfare traditionnelle kimbanguiste qu'il a appelé Fatraki. Et donc, il s'agit d'une petite histoire d'inspiration. Un de groupe, je ne sais pas s'il est de groupe ou bien il a seulement donné. Donc, Ezala, l'inspiré. Il s'agissait d'un inspiré au cours de la nuit. En dormant, il a eu dire bon, alors allons-y. Et ils ont fabriqué ces instruments et ils ont présenté ça. Ils ont fait former leur groupe qu'ils ont appelé fanfare traditionnelle kimbanguiste. Et ils ont commencé aussi à jouer, à répéter des chansons kimbanguistes et à se produire. Voilà. Comment on a... Matukondolo Matondo, donc c'est lui qui a mis la vision. Je vous félicite. Une réalisation exceptionnelle. C'est plein de joie, plein d'espoir. Vraiment, félicitations à tout le monde. Félicitations à vous. Je suis absolument ravie. Vraiment, bravo. Voilà. Vous êtes de quel village? D'ici? Matukondolo Matondo. Matukondo l'accident maïe mazangi biso. Matondo. Qui nous manque. Merci, c'est dire Matondo. Voilà. Ça? Oui. Avec les dirigeants. Vous donnez le cavale. Vous donnez le cavale. On entend le bruit de la rivière. Satisfaite, maman? Très satisfaite. Très satisfaite. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut voir. De visiter
le site de Mpioka. Comment vous avez senti lorsque vous avez vu ces chutes? D'abord, c'est magnifique. Ce sont de très belles chutes. Définitivement, il y a un potentiel pour l'hydroélectricité. Alors, maintenant, il va s'agir aux experts de se prononcer et de pouvoir voir de quelle façon est-ce qu'on est capable de tout cheminer. C'est des éléments importants pour l'industrialisation. C'est aussi très beau sur le plan touristique. C'est vraiment très beau. C'est vraiment un endroit magnifique. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible pour moi cette visite aujourd'hui. Je leur témoigne beaucoup de reconnaissance. Il n'y a rien d'autre que, de mieux que de voir les choses en vrai. Sur papier, c'est quelque chose, mais en vrai, c'est autre chose. Je suis très contente. Vous allez revenir bientôt ou vous allez apprendre la vision pour les experts? Bien sûr. Alors, petit à petit. Voilà, petit à petit. Oui. Ça, c'était seulement des arbres comme ceci, mais en réalité, tout a été touché. C'est pas l'ignorant, c'est pas y'a qu'à mettre au pot, c'est ça.